Edward Snowden trouvera peut-être refuge en Amérique du Sud. L'ancien informaticien de la NSA, l'homme qui a révélé les programmes de surveillance américains, a reçu des réponses positives du Venezuela et du Nicaragua. Snowden avait déposé des demandes d'asile et peinait à trouver un pays d'accueil. Nicolas Maduro lui offre l'asile humanitaire. Son homologue, le président du Nicaragua, est également prêt à accueillir Snowden si les circonstances le permettent. Edward Snowden est actuellement en transit à l'aéroport de Moscou, une situation qui commence à indisposer la Russie, qui lui a demandé jeudi de choisir un endroit où aller. Devant le consulat des États-Unis en Bolivie, des Boliviens crient toujours leur colère contre plusieurs pays, dont la France. Mardi, ces pays ont contraint l'avion du président Evo Morales à rester plusieurs heures en Autriche. Snowden était soupçonné d'être à bord.